Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 4 janvier. Le journal officiel rapporte qu'une opération de police de très grande envergure a été déclenchée ce janvier dans 33 villes des États-Unis contre les extrémistes et les agitateurs révolutionnaires. Les agents fédéraux et les directeurs des diverses polices municipales ont été nantis de plus de 5000 mandats d'arrêt. À midi, 4500 extrémistes étaient arrêtés par toutes les perquisitions continues. De grandes quantités de brochures et de circulaires sédicieuses ont été saisies. À New York, 80% de ceux qui ont été appréhendés sont étrangers et parmi eux se trouvent beaucoup de Russes. On déclare que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures spéciales pour la déportation des indésirables. Les autorités déclarent, après avoir découvert dans un dépôt clandestin, 25 fusils, plusieurs engins d'explosifs, semblables à ceux que divers notables américains reçurent par la poste l'été passé. Elle assure avoir la preuve que les communistes, chez lesquels on vient d'opérer des descentes, préconisaient le renversement du gouvernement par un coup de force. Les journaux explicitent la récente maladie de M. Wilson durant sa tournée de propagande en faveur de la Ligue des Nations. Il manifesta des symptômes de thrombose, maladie causée par un caillot de sang dans le cerveau. Quinze jours plus tard, il y eut un évanouissement et il perdit l'usage des membres du côté gauche. Malgré une guérison graduelle, M. Wilson ne peut espérer jouir à l'avenir de sa capacité entière de travail. Et il n'est pas question pour lui de remplir un nouveau mandat présidentiel. Il continuera néanmoins à remplir les fonctions essentielles de sa charge avec de strictes précautions jusqu'à la fin de son mandat actuel. Interrogé sur les dispositions des bolchevistes à l'égard de Denikin, le secrétaire de la délégation bolcheviste à Dorpa a déclaré qu'après avoir détruit les armées de Kolchak et Yudinich, les soviets ne sauraient envisager autre chose que l'écrasement complet des armées de ce général, qui sera traité en rebelle. La presse japonaise annonce, d'après des télégrammes reçus de Sibérie, que le général Gaïda organisa le 18 novembre une révolte contre Kolchak à Vladivostok. Il en résulta une collision entre les partisans de Gaïda et les troupes du général royaliste, à la suite de laquelle Gaïda a disparu. On croit qu'il avait agi avec l'appui des socialistes révolutionnaires. C'était le JT du siècle, la faune notre histoire.